Charlie-Prince Vonneau, c'est moi, manager général de Charcelcom et l'un des responsables de Gabon Communication Service. Alors si je viens vous aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous annoncer la deuxième édition du Gabon Live Show. Alors l'année dernière, nous avons organisé ici en France la première édition du Gabon Live Show avec des artistes que nous avons fait venir de Libreville, en tête desquels Souleymane, Aïcha Wanet et Audrey, managés bien sûr par M. Cédric Ondimba. Alors, donc, les fruits justement de la tournée française que nous avons eu à faire l'année dernière, les fruits sont là. Aujourd'hui, Aïcha Wanel installée à Bordeaux et Souleymane est sur le point de signer au Jamel Comedy Club. C'est tout simplement pour dire aux Gabonais et aux Africains que ce que nous sommes en train de faire est de permettre au maximum d'artistes gabonais d'avoir une expérience internationale en les amenant ici. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de savoir que ces deux artistes gabonais ont eu à signer dans de grosses écuries ici en France. Donc nous sommes très heureux et nous demandons au maximum de personnes déjà en France, ici, où je me trouve, et au Gabon, de nous soutenir dans la réalisation justement de cette deuxième édition du Gabon Live Show organisée par Charcelcom, Gabon Communication Service et bien sûr Café Sport. Le Gabon Live Show 2 est une initiative de Charcelcom, managée par Café Sport ici en France. Et au niveau de Libreville, nous avons Gabon Communication et Service. Donc Charcelcom et toutes ces structures organisent justement la deuxième édition de cette grosse manifestation qui fait en sorte que certains artistes qui arrivent du Gabon puissent faire le tour de France en quelques 2-3 semaines. Donc cette année nous avons DBS, c'est un groupe qui fait de la techno, ils sont numéro 1 en Afrique centrale. Nous avons également La Fuente, représentée par La Jo, et bien sûr Souleymane. Et nous avons justement ajouté dans ce groupe d'artistes une jeune artiste gabonaise qui fait du raga, qui s'appelle Nova. Elle est très forte, elle est excellente et nous espérons tout simplement que la fête sera belle. Nous allons faire certaines villes de France comme l'année dernière, donc nous parlons de Paris ici. Nous irons également dans une banlieue parisienne qui s'appelle Antony, c'est la résidence universitaire Jean Zay. Et après, cette tournée va nous amener à Bordeaux, à Toulouse, à Nantes et bien sûr à Rouen. Nous espérons tout simplement que, comme l'année dernière, le Gabon Live Show 2 sera une fête exceptionnelle pour tous les Gabonais et Africains qui sont ici en France. Bon, tout d'abord, pour commencer, déjà merci à tous les compatriotes qui suivent cet événement-là déjà par rapport à la première édition qui s'est super bien déroulée. Là, nous allons entamer autant pour moi la deuxième édition. Je crois que vous l'avez déjà dit, hein, c'est la valorisation de la musique, de la culture et de ramener un peu le Gabon dans les pays européens. Déjà, le message dans un premier temps serait en disant les frères, c'est nous-mêmes d'abord. Mais il ne faut pas oublier que quand on amène un événement si loin du Gabon pour l'amener en Europe, c'est qu'on veut aussi que les Européens qui vivent ici participent. Parce que nous avons vu d'ailleurs dans la première édition, nous avons vu beaucoup de Français, comme on est en France, on va un peu parler comme ça, beaucoup de Français qui sont venus à cet événement-là. Et le message, c'est venez massivement, parce que ça va être un événement. Et des événements comme ça, il n'y en a pas deux en France. Gabon Live Show, ça va déchirer! Nous vous attendons à la deuxième édition. Gabon Live Show, c'est chaud. Yeah, 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 yeah.